Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire à manger ensemble. On va avoir une petite jasette avant, mais j'aime ça faire à manger. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça? Pour faire une longue histoire courte, je l'avais dit, que j'avais commandé un demi-bœuf au mois de septembre. Je l'ai commandé, on a rempli notre petit congélateur, pas petit, mais tu sais, le congélateur tombeau relativement petit. Je sais pas combien ce qui rentre de pieds cubes dedans, mais... on l'a rempli avec ça. J'ai aussi un congélateur de boue. Fait que on a rempli une partie de ça avec. Fait que là, mon objectif, c'était d'essayer de transformer le plus possible ce que j'avais pour essayer de me faire des plats prêts. À place d'avoir, mettons, juste de la viande, puis d'être pogné pour faire à manger à toutes les soirs, ben j'essaye bien fort d'avoir toujours des plats de prêts dans mon congélateur. Là, fait que là, j'en ai fait beaucoup, 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 puis là, finalement, le temps a avancé, puis je suis arrivée à la date, proche de la date, où est-ce que j'avais une commande de poulet qui arrivait aussi bientôt. 4 boîtes de poulet. Fait que là, je commençais à stresser. J'étais comme, bon, là, ça y est, là, faut que j'arrête d'en faire, puis faut que j'en mange. Fait que on a commencé à manger les plats congelés, puis j'ai été genre 3 semaines de temps sans faire à manger. C'était merveilleux, c'était tellement le fun. C'était vraiment merveilleux. Là, je m'en venais avec de l'espace dans mon congélateur, puis là, lui, il a décidé de me lâcher. Fait qu'il a fallu que je cuisine tout ce qu'il y avait dedans. Tu sais, j'ai fait beaucoup, beaucoup de canards, j'ai cuisiné ce qu'il y avait dedans, mais aussi le congélateur en bas, là, il y avait beaucoup de choses, il était plein aussi, là, tout était plein, incluant lui. Fait que là, il a fallu, le peu d'espace que j'avais fait, il a fallu que je vide ce que j'avais là dedans. Fait que j'ai cuisiné, puis c'était comme genre 4 jours avant que j'aille chercher ma commande de poulet. Fait que je commençais à être comme... J'étais pas si mal pris parce qu'il y a mes parents, mes beaux-parents qui habitent proche aussi. Fait que j'ai 2 boîtes dans le congélateur de mes parents. Encore aujourd'hui. Longue histoire courte pour dire finalement que j'aime ça faire à manger en des freezer meals qu'on appelle. Faut que je me dépêche le temps avant, ça va bientôt l'heure de souper pour de vrai. Fait qu'aujourd'hui, là, ben en fait depuis vraiment un bon bout de temps, là, je dirais... plusieurs mois, si pas une année, que c'est rendu très très rare que je fais uniquement à souper pour là. Tu sais, que je fais juste un repas. Je vais toujours m'arranger pour essayer d'en faire plus, parce que tu sais, ça salit pas plus de vaisselle, ça prend pas vraiment plus de temps. Fait que, tu sais, d'en faire un petit peu plus, fait que si je suis pas capable de faire 2 repas, je vais, tu sais, faire cuire plus de viande pour la congeler, pour avoir de la viande déjà congelée. Ou je vais couper des légumes de plus, ou des affaires comme ça, là. Fait que c'est rendu vraiment rare que je cuisine quelque chose qui est uniquement pour le repas actuel. Fait que là, je voulais essayer une recette parce que j'avais bien des tomates à passer. Ils sont encore gelés peut-être. Je les ai faites dégeler hier, je les ai mis au frigidaire hier, puis ils sont encore bien gelés. Fait que j'étais un peu triste de ça, mais c'est pas grave, je vais les mettre au micro-ondes un peu. C'était mes tomates en... des tomates qui commençaient à être... Je vais faire à souper, ça sera pas long, ma belle amour, ok? Où c'est que j'en étais? Fait que c'est ça. Bref, là, puis là, dans tout ça, là, en ce moment, c'est encore relativement plein, mais j'ai plus de repas prêts. Fait que là, je suis comme, oh! Fait que là, je suis due pour aller à l'épicerie, puis blablabla. Je réalise que non, t'es pas due pour aller à l'épicerie du tout. Il est encore bien plein de plein d'affaires, ton congélateur. Coucou! Qui est là? Coucou! Le congélateur est encore bien plein, mais pas de choses qui sont super rapides. Fait que là, je me suis donnée comme objectif de pas faire l'épicerie le plus longtemps possible. C'est sûr que, tu sais, je suis allée chercher du lait, puis je vais peut-être aller chercher des aliments frais bientôt. Tu sais, quelques légumes au moins pour faire des crédités. T'es bien belle, tu vois? Non, mets pas les mains dessus. Touche pas! On touche pas, par exemple. Fais toutes les grimaces si tu veux, mais on touche pas. Bref. Belle face. Aujourd'hui, j'ai fait un curry aux lentilles et coco que j'ai dans ma recette souper à l'avance. J'ai décidé de faire ça hier. Je mange plus vraiment de végétarien dans la vie, honnêtement. Puis là, je suis comme, voyons, faudrait bien que... tu recommences. J'ai été un bout de temps dans ma vie. Quand j'ai commencé YouTube, c'est beau, hein? C'était presque exclusivement végétarien, mon alimentation. Puis, veux pas, ça coûte cher. Puis, j'ai dit, tiens, on va faire ça. Puis, j'adore les caries. Non. Ça pogne pas toujours, mais regarde, il y a rien qui pogne. Il y a rien. Zéro. Qui pogne à 100% chez nous.
Fait que là, elle me fait peur. Je vais changer ma caméra de bord. Puis on va commencer ça parce qu'il est 4h... 5h moins 20. Puis ça commence à crier famine chez nous. Fait que c'est ça, j'ai des tomates ici que j'avais fait congeler. Je vais les mettre au micro-ondes, là, puis on va parler. Ça, maman? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Puis c'est ça, c'est 5 ingrédients. On dirait que j'avais pas catché. J'avais juste, quand je l'ai ressorti de ma bibliothèque hier, j'avais vu que c'était les... Je fais de la pub, j'ai aucun avantage à faire ça, by the way. J'avais choisi parce que, parmi tous mes livres, parce que c'était des choses à congeler. Puis là, j'ai comme catché tantôt en sortant mes ingrédients que j'étais comme... Ben voyons, je vais peut-être faire un petit pain supplémentaire. Mais c'est ça, les tomates, c'est que c'était mes tomates, là, j'en ai qui me restent ici, là, que j'ai ramassé dans la serre. Ça fait pas grand temps. Ça fait peut-être une semaine ou deux qu'ils sont encore en train de mûrir. Fait que, sauf que là, parce qu'ils mûrissent, mais là, ça prend de la place, puis ça fait des mouches à fruits, puis... parce qu'il y en a tout le temps une ou deux, là, tu sais, qui mûrit pas, puis qui pourrit. Fait que je voulais les moins belles, celles les plus rouges qui commençaient à être dues, j'ai voulu les cuisiner. Mais là, j'avais des problèmes avec ma machine, mon canneur. Non, j'avais plus de peau, c'est ça que j'avais. Fait que j'ai décidé de faire congeler en me disant de toute façon, je vais toutes les utiliser en même temps. Je m'attendais juste à ce que ça dégèle plus vite. Je les ai mis hier soir, ça fait presque 24 heures qu'ils sont au frigidaire. Fait que. Je vais lire les instructions. Fait que la recette demande d'être faite dans un chaudron. Puis c'est 20 à 25 minutes de cuisson. Mais là, les enfants vont avoir faim. Fait que je vais sortir l'Instant Pot. On va faire ça. On va faire ça à l'Instant Pot. Puis là, je réalise que je voulais faire deux recettes, mais en réalité, c'est encore mieux. Je voulais, tu sais, tout domper. Je pensais que j'avais juste à tout domper dans un sac, mais en réalité, je vais faire toute la recette. Puis, on va manger ce qu'on a. Je vais voir la quantité que ça a pris. Ça va peut-être me faire trois recettes, dépendamment de comment les enfants aiment ça. Puis on va sortir l'Instant Pot. Donc, ça dit 5 ingrédients, mais il faut quand même prévoir des oignons. Ben en fait sinon ça dit des échalotes, mais je vais mettre des oignons, j'ai une bonne dose d'oignons là-dedans, des oignons puis de l'ail, fait que c'est quand même pas trop pire, mais tu sais, vous voyez juste, là je pensais que c'était dompé, il faut quand même que je coupe des oignons, mais ça reste que je vais quand même juste salir un couteau à la place de deux, puis un pot à la place de deux. Je parle de dans le futur, fait qu'on va starter ça. Bon, j'ai mis ma pression pendant 8 minutes. J'espère juste que ça va être correct parce que des fois, je commence à avoir de la misère avec la pression dans mon Instant Pot. Puis peut-être que j'ai besoin de changer mon seal. Là. Je vais profiter de ce temps-là pour me ramasser un petit peu. J'ai juste quelques petites... Oh non! J'ai juste quelques petites... retailles d'ail et puis d'oignons que je vais mettre dans mon sac que je viens de briser. Mais je pense que ça va être correct. Ça va être bien correct pareil, c'est pas bien grave. Là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai pas vraiment de bon riz. J'ai comme un riz cheap qu'on aime pas vraiment. J'aurais fait du riz avec ça, mais je pense que je vais faire des genres de petits pains avec mon levain. J'avais fait lever. Mon levain, ça fait un bout de temps, j'y ai pas touché. Fait que là, je suis en train de le réactiver tranquillement.
J'ai deux pots, j'en ai un qui est super actif, puis l'autre moins. Je comprends pas trop pourquoi. C'est le même, je l'ai juste séparé en deux. Fait que je vais en prendre un les deux. Puis je vais y ajouter farine et eau pour avoir une texture que je veux, puis je vais faire comme des petits pains avec. Moi, j'adore ça, me faire des petits pains avec juste le levain. Mais c'est sûr, c'est vraiment sûr. Puis ma famille aime moins ça. Ma fille aime ça, mais les autres, puis mon chum, ils traitent pas tant. Fait que je me ramasse un petit peu, je vais faire des petits pains. Mon seul problème, c'est que j'ai pas encore assaisonné ma poêle en fond. Il va falloir que je deal avec une autre affaire. Je viens de me souvenir que j'avais une crêpière. Ça va faire en masse la job. Fait que je vais faire chauffer ça. À medium high, là, mais medium fort. J'ai mon levain ici que on voit qu'il commence à s'activer. Fait que je vais l'utiliser, je vais le mettre dans un plat. On voit qu'il est bien élastique, il commence à bien aller. Là. Ça m'a pris quelques petits quelques shots. Là, il en reste un peu dedans. Fait que ça, je vais le réutiliser. Je vais le faire tantôt. Je vais le réactiver pour le renourrir pour qu'il soit encore plus actif. Je vais vraiment à l'œil en ce moment. Là. Je veux la texture. Une texture bien normale. Là. Je trouve que ce qui va vraiment bien pour brasser du levain, c'est une baguette pour manger. Là. Ça me tente pas de me mettre les mains dedans en ce moment, pour vrai. J'ai pas envie de me salir les mains. Juste un petit peu d'eau, un petit peu de sel. Moi, ce que j'aime faire, là, avec des genres de petits pains, là, comme ça, c'est que, tu sais, là, je les mets comme des crêpes, là. Ça se fait finalement un peu comme des crêpes. Mais, j'ai des oignons puis de l'ail fermenté. Là, j'en ai plus, là. Faudrait que... Ah, oh, j'ai des herbes, par exemple. C'est, là, je les mets... Vous allez voir, je vais m'en faire une, là. Je les mets sur ma poêle, puis là, sur le côté qui est pas en train de cuire, celui qui est pas cuit encore, là, qui est encore texturé comme ça, là. Je pense que je vais en faire plus. Tout dépend si ma famille va aimer ça. Mais ça se congèle. Fait qu'on va y aller. C'est ça. Fait que du côté qui est encore pas cuit, là, je mets des épices fermentées ou des oignons. Puis après ça, quand je le vire de bord, mais ça fait comme cuire ça sur mon petit pain. C'est tellement bon. Hein. Faut aimer la fermentation, là. Mais j'adore ça. La fille veut que je vous dise que j'ai taponné un piment fort, puis après ça, je me suis léché les doigts, puis que là, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. J'avais oublié que dans mon mélange de tomates, j'avais aussi des piments forts. Je m'étais dit, je vais faire une sauce piquante avec ça. Fait que c'est pour ça que mon carré était un peu piquant aussi. Je regarde là parce que j'ai mes deux écrans qui me regardent. Tu dis pour une coupe de cheveux, toi, mon homme? Ben non. Ben non. Ben non. Fait que c'était-tu bon, mon souper? Ben non. Ben, je peux pas dire que j'aimais ça, mais ça, c'est tellement dire que je mortais. Opa! Opa! Il y en a chez qui ça a pogné, puis il y en a chez qui ça a pas pogné du tout. C'est du curry, ça reste un
un goût qu'il faut s'habituer. Exactement. Fait que je leur en ai mis tous vraiment pas beaucoup, fait qu'il m'en reste vraiment beaucoup. Finalement, j'ai triplé ma recette. Maman, attends. Fait que sur le divan. Là. Fait que on va mettre ça dans des sacs. Je vais mettre ça dans des sacs. Toi, tu vas aller faire ce que je te demande de te faire, mademoiselle, s'il vous plaît. Je sais pas dans combien de sacs exactement je vais le faire parce que j'ai mis une petite cuillerée comme ça chaque. Moi puis mon chum une grosse louche. Fait que je mettrais peut-être 4 louches dans chacun. Ça, c'est des sacs en silicone que j'ai achetés sur Amazon. Je les trouve limite petits. Je pensais qu'ils allaient être gros comme les gros sacs d'un gallon. Ils sont presque. C'est juste pour dire que c'est difficile de brasser un repas complet, mettons. Ils font la job, là. Si je le remplis de quelque chose, souvent ça va être assez pour ma famille. Mais j'ai de la misère à brasser. C'est pas grave. Ça revient quand même à quelque chose de super. Bon, fait que voilà, j'ai 4 repas supplémentaires. Fait que j'ai fait 5 repas. D'un coup, je suis vraiment contente parce que la prochaine fois, vous voyez, cette fois-ci, même les enfants, ils n'ont pas trippé tant sur mon pain comme que je pensais. Ils ont pris des wraps. J'en trouve pas. C'est beau. On va aller faire tes affaires. Et je pourrais acheter des pains nan. En fait, le but, c'était de faire comme des pains nan. Mais ils ont mangé ça avec des tortillas. Je pourrais faire ça avec du riz. Je sais que ça aurait pogné plus avec du riz, probablement. Fait que je vais laisser ça refroidir. Je vais mettre des collants. Puis, parce que j'ai utilisé longtemps des charpies. Mais ça s'efface, ce qui est une bonne chose. Parce que je vais les réutiliser. En même temps, quand ça fait un petit bout de temps que c'est au congélateur, ben ça s'efface aussi. Fait que je sais plus ce qu'il y a. Il y a des affaires qui se ressemblent beaucoup, genre du chili puis de la sauce à spaghetti ou de la soupe aux légumes ou c'est toutes des affaires de même, ça se ressemble beaucoup. Des potages versus des sauces. Fait que ces temps-ci, je suis en train de découvrir ce genre de choses-là. Fait que je vais mettre un collant puis on va attendre que ça refroidisse puis voilà. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu parce que moi j'aime ça faire des vidéos de cuisine. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'en faisais beaucoup puis là ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Fait que je suis très contente d'avoir fait ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça, si vous aimez les caries, si vous avez d'autres recettes à me suggérer. C'est sûr qu'il y en existe des milliers. Il n'y a rien à... Je veux dire, il y en a tellement. Mais dites-moi c'est quoi vos préférés. Dites-moi si vous avez des trucs. Parce que je suis pas une experte. Si jamais j'ai fait des choses que vous dites, tu préfères ça mieux? Je suis toujours open. Toujours open à améliorer. Parce que moi, je fais des choses. Donc, je vous remercie d'avoir été là avec moi. On va se retrouver la prochaine fois. Bye!